Good morning, allez, Iden et Susra aujourd'hui, le Lunishmat Mansovagé, Ben Khana, Janine Ruth, Bad Fortune, Mazan Fritna, et Claude Chomo, Ben Shalom, si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, qu'on fait 5 minutes éternelles, nous étudions la série de Gulchin, Bergimel, Mishnah, Yudalef. Kidashti et Biter, Vei Omeret, Lo Kidashta et la Otin, Hu Asur Mikrovot Ktana, Uktana Muteret Mikrovav, Hu Mutar Mikrovot Gudola, de là, Asura, Bikrovav. Fin du sujet évoqué dans la Mishnah précédente, je ne sais pas, je vous ai déjà souvent soulevé la question, qui a coupé les Mishnayot comme ça? Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais surtout pas coupé la Mishnah comme ça. Éventuellement, j'aurais tout fait une grosse Mishnah ou j'aurais coupé en deux, mais dans le cas d'avant. Mais peu importe, c'est pas très grave. C'est le même sujet avec un nouveau cas de figure. Vous vous rappelez, le dernier cas de la Mishnah précédente, c'était un homme qui dit à une femme, je t'ai marié, et la femme dit, non, tu m'as pas marié à moi, t'as marié à ma fille. Ben maintenant, on a le cas contraire, que Kidashti et Biter, un homme qui vient et qui va voir la mère, il dit, tu te rappelles hier, quand on était au parc, merci, tu m'as donné la main, tu as accepté que je me marie avec ta fille, je me suis marié avec elle, quand on était au parc, et c'est bien là-bas devant tout le monde, j'ai sorti la bague devant tout le monde, et tout le monde a applaudi quand j'ai marié ta fille. Veillez, on mérite, L'eau qui d'acheta est là aussi, tu n'as pas marié ma fille, tu m'as marié à moi, c'est moi que tu as marié, pas ma fille. Donc en fait, on a lui qui dit, ta fille, elle m'est interdite, et elle qui lui dit, non, moi je suis ta femme. Donc même principe, vous connaissez déjà tout à l'oral, que Chavier, Anafché, Khatira de Isoura, selon le principe, un homme, il est cru pour lui-même pour s'interdire les choses qu'il prétend qu'elles lui sont interdites. Donc lui, il a dit que la fille, la petite, elle était mariée. Dans ce cas-là, tous les proches parents de la fille vont lui être, de la petite, vont lui être interdites à lui. Mais pas les proches parents de la mère. Si on a un proche parent de la mère qui n'est pas proche parent de la fille, il y a des configurations. D'accord, on ne va pas allonger trop, mais il y a des configurations, bien sûr. Ça peut être sa belle-sœur de l'autre côté, du côté de la mère. Il y a des cas de figure. Donc dans ce cas-là, toutes ces filles-là lui seront permises. Parce que lui, dit qu'elle s'est mariée avec la fille, pas avec la mère. Tandis que la mère, elle prétend qu'elle s'est mariée avec lui, donc tous les proches parents de l'homme, ils vont être interdits à la mère. Par contre, la fille, elle pourra se marier avec qui elle veut, parce qu'elle n'a jamais, elle n'est pas entrée dans toutes vos considérations, pour elle, elle n'a jamais avec personne. Et c'est ce que la Mishnah me dit en quelques mots. « Kidashti et Biter, j'ai marié ta fille hier. »« Veyomeret, pas du tout. »« Kidashti et Laoti, tu m'as marié à moi, pas à elle. » Ou Asur, Mikrovot, Ketana, lui va être interdit dans tous les proches parents de la petite, parce qu'elle a dit que c'est sa femme. Ve Uktana, Muteret, Mikrovot, tandis que la petite, elle va être permise à tous les proches parents de lui. Ou Mutar, Mikrovot, Gdola, par contre, lui, il a le droit de se marier avec tous les proches parents de la mère. Ou Gdola, Asura, Mikrovot, et la mère. Elle va être par contre interdite dans tous ses proches parce qu'elle, elle affirme qu'elle était mariée avec lui. Et je rappelle maintenant mon Alberté Noir qui nous dit ici ce que je vous ai déjà introduit dans la Mishnah précédente, mais qu'en fait le Alberté Noir précise ici, c'est que dans tous ces cas de figure, maintenant il s'avère qu'on a une femme qui te dit, hey, tu m'as marié. Donc maintenant, elle, de son point de vue, elle est mariée à lui. Alors elle s'interdit tous les proches parents, mais pas que. Elle s'est interdite beaucoup plus de personnes. Elle s'interdit elle le monde entier parce que selon ses dires. C'est une femme mariée, si c'est une femme mariée, elle ne se marie avec personne. Alors on va maintenant appeler le mari fantôme en lui demandant est-ce que malgré tout il veut bien avoir pitié de cette femme-là et de lui écrire quand même un guet. Puisque de son point de vue elle ne pourra pas se marier, alors au moins est-ce qu'il accepte de lui écrire un guet. Et s'il écrit le guet, alors elle pourra repartir se marier. Avec la précision qu'on avait dit aussi, c'est que si le mari de son plein gré se met à lui écrire le guet, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, alors là, on va soupçonner qu'en réalité, il avait réellement marié la femme, et qu'aujourd'hui, il regrette, et dans ce cas-là, on va même le forcer à donner la ktouba. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.